Ah, bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Sea of Thieves. Cherchez pas, je suis tout seul. Cette fois-ci, y'a personne. Tout le monde m'a abandonné. C'est triste, hein. La MRP Troc Télévision va nous rejoindre, bien sûr. Par contre, là, je m'agoue, là. Je me détourne énormément de mon objectif, voilà. Plus par là. Donc en attendant, on va se faire un petit coffre des familles, tranquillement, sous le vent. Je glissais sous le vent. Bref, tout ça quoi. Vous connaissez déjà. Ah ouais, je suis bien sous le vent en plus, hein. Nickel. J'ai un peu peur que les bagues, bah, c'est ça, les bagues me déportent depuis tout à l'heure en fait. On va braquer un peu. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie de se faire les trônes. Pas forcément dans cette vidéo, je sais pas. C'est de vous faire des épisodes pas trop longs quoi. Ça serait bon quoi. Oh, putain, les vagues, qu'est-ce qu'elles me déportent quoi, ça. C'est la folie. C'est la folie. Mais c'est pas trop gênant. Parce que de toute façon. Redressons un peu, mais pas trop. Redressons, ok. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur la partie gauche cette île là. Ouais. Sur le petit bout de terre-terre là. Qu'on voit sur le côté. Paf. Ouais, mets-moi sous le vent. Discute pas, bonhomme. Discute pas, te fais pas de mal. Resserre. Redresse. Suffisant. Je vois pas le banc de terre, c'est suffisant. Tac. Hop. On délivre le matos. Tac. Hop. Les bananes, c'est par ici. Voilà. Les planches, c'est par là. Allez, go, on peut y aller. Paf. La petite pelle. La petite carte, s'il vous plaît. Ça a l'air d'être pas mal là où je suis là. Entre les deux là. Non, ça a l'air nickel. Ah, c'est ça. Personne. Pas de squelette. Bon, dis donc. Quel calme. Incroyable. Sortons cela d'ici. Et go, coffre suivant. Parce que j'ai ma petite quantité de coffres à rapatrier. À moins qu'il y ait une petite astuce, genre un petit truc qui traîne dans le coin, mais... Pas un petit truc qui traîne dans le coin. À portée de yeux. Que dalle. Allez, barrons-nous. Grand calme normalement aujourd'hui, puisque je vous tourne ça le jour de la fête des pères. Oui, je sais, je suis un mauvais fils. Mais, du coup, je pense que ça va être assez calme. Voilà. On y pensait d'ailleurs. Vous vous rappelez, on a vu Bob, je crois, avec un tambourin, mais je crois que je l'ai pas le tambourin. Paf. Ah si, je l'ai aussi. Ici, on a tout. Ça, c'est là-haut. Hop là. Tac. Prochaine destination. Tac. Je vous enlève ça. Et on va à All Faithful Isle. Et là, par contre, c'est. Voilà, c'est la petite énigme. Sur All Faithful Isle, brave, mais Decati, j'ai caché mes derniers mâles acquis. Paf, c'est parti. Je me rappelle déjà plus de la direction. Mec extrêmement concentré. Ah bah c'est tout droit. Eh bien mon brave monsieur, c'est tout droit. On va se remettre sous le Zef. Allez, c'est tout droit. Vas-y petit bonhomme. Pas la première, c'est la deuxième île, c'est ça. Man's Lagoon, ça devrait être un banc de sable. Ouais, donc c'est bien le gros caillou qu'on voit juste derrière. Hein. C'est bien ça. Sur lequel il doit aussi y avoir un... Il devrait y avoir là-dessus aussi un trône, je pense. On va sur All Faithful Isle, hein, c'est ça, tac. Check. Ok. Shipwreck Breeze... Non, ok, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trône. À moins que ce soit là qu'il y ait le trône immergé, mais ça m'étonnerait. Je me demande où ça peut être le trône immergé. Je suis jamais allé, je crois, sur l'île du centre. Je crois. Ça s'appelle une collision. On va peut-être braquer un peu. Voilà.
remettre comme ça. Les vagues qui continuent leur travail de me déporter à fond les manettes sur le lagoon. Ah, allô, bonjour, MRP Troc. Allô. Ça va? T'es en live, dis bonjour. Ah, t'es en diff. Au revoir. T'es en VOD. Au connard. Revoir. Hop là. Esquive de cailloux. Paf. Lourd, lourd. Ouais, je pensais qu'aujourd'hui ça serait sympa de tenter de se faire quelques trônes de... J'allais dire quelques trônes de fer, non, mais quelques trônes d'os sur lesquels on peut s'asseoir individuellement. Ce sont pas normalement les gros trônes de bois où il faut être plusieurs membres d'équipage. En gros, je te regarde jouer, quoi. Waouh, mais non, pourquoi tu me regarderais jouer, t'es con? Mais... Oh, ça va, mais il picole pendant le service, ce con. Non. Ah bah, tu devrais. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça le secret. Lol. Lui aussi, il soit un nom. Lui et les bières. C'est ça. La bière, c'est le bien. J'arrive. Comment on fait déjà avec ça? Je crois pas que tu puisses me rejoindre. Je crois qu'il faut que je t'envoie une invite. Si, si, normalement, je peux. Tu crois? Ouais. Ah ouais. Si t'as rien bloqué, je suis sûr que ça se fait. Ah. Non, mais même si t'as tout bloqué, tu peux. Ah non, 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 moi vu que j'ai tout bloqué, je ne peux rien faire. Je crois-moi oui, bien, je ne peux rien faire. Une fois t'as tout bloqué, tu peux pas trop loin. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parti. Je crois. En train de naviguer. Ok, donc on touche le sol, tac. Allez, vas-y, annonce la couleur. Trouver l'encre. L'encre de l'épave sur le littoral. Littoral, l'autre côté. Vas-y, je suis pas du bon côté de l'île. Tac. Cours. Mais cours. Ah, mais cours, petit bonhomme, voilà. Bandeau du rêve. Excusez-moi. Connaissez-vous la parole de Raptor le Sabre? Le Raptor aux tricornes. Vous connaissez pas Raptor le Tricorne? C'est bien dommage. Vous avez raté quelque chose. Ouais. Une épave d'un gros pigeon. Le cadavre d'un gros pigeon. Du loot. Du loot. J'aime la loot. C'est une... Ouais. C'est une lampe torche buggée. Tout à fait. C'est pas là. Il va falloir que je passe par le centre de l'île. Pour rappeler l'île au mille et une saveur. Vu comment on nous avait saucé quand on était venu dessus. Ah, par contre, des lentilles, j'ai sauté sur ton caillou là. Voilà, merci. Épave. Ah, pas que c'est par là. J'ai bien raté la marche, donc on va aller voir par là. Oh là là, mais le nombre de cochons dorés. C'est incroyable. Tu cherches random, genre? Comment ça, je cherche random? Bah, les trônes. Ah, bah pour l'instant non, mais enfin il n'y a pas besoin de les chercher en random. Là pour l'instant je suis en train de faire une petite chasse au trésor en t'attendant. D'accord. Petite mission trésor. Mon trésor. Ah, ça c'est une épave. Ça c'est valide. Mais est-ce que c'est celle-là? Je pense que oui. Donc là c'est l'effort avec des tonneaux de poudre à l'infini normalement. Hein. Si je cherche un peu je devrais en trouver au moins un ou deux. Ah non, j'ai pas touché, j'ai pas utilisé de balles. Une mise à jour sur le jeu ou ça se passe comment? Pourquoi? Genre les contrôles c'est de la merde. Ah bon? J'ai pas de problème. Ça c'est pas un bateau, c'est une chaloupe. Oui Knarfank, tu es un connard. Eh oh, calme-moi là. Je me parle pas comme ça hein. Oh Knarfank, tu es fou, tu te parles tout seul. Ah bon? Ah ouais, je me parle tout seul. C'est dingue. Je me parle bien tout seul. Formidable. J'ai pas trouvé le bateau. Faut que je trouve le bateau avec son encre. Il cache où déjà? Ce saperlipopette de bateau. Moi je propose de continuer mon tour. Mon petit tour. Petit tour du quartier quoi.
Bah non. Hein? Bateau échoué. Et ils vont pas attendre de sortir un bateau au milieu de la... des terres, hein, parce que là sinon je vais... Sinon je vais m'énerver. Je vais m'énerver, et c'est pas mon genre, hein. Pas mon genre de m'énerver, hein. Pas du tout. Je suis quand même quelqu'un de très calme et de très serein. Hein. Tu approuves, Bob, hein. Tu approuves, Bob, ou je t'ouvre en deux, t'sais. Il fait un exemple de calme. Tout relatif. Bon, elle est où cette épave de ces morts, là? Ah. Il y a un événement de type crâne ou il y a de la foudre qui tombe gratis? C'est quoi cette île de mort, là? Ah, ça y est, tu viens de rejoindre. Allô? Tu montes pas. Ah oui, il y a qu'un seul accès. Okay. Presque. Ah, c'est bon, j'ai trouvé de quoi me consoler en attendant. Petit baril. Je vais mieux. Ah, donc j'ai mon petit baril dans les bras. Je te cache pas, ça va mieux. Ah, c'est pas là? Si, c'est là. C'est là. Et moi, il faut que je monte là-dessus récupérer mon deuxième baril de poudre. Le parcours. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme parcours pour être riche? Ok. Troisième baril de poudre, go. Parcours, parcours. We love the parcours. Alors normalement on peut pas traverser les tentures dans ce jeu. Petit Ah si, bah là oui. Bon bah. Pff. Alors normalement on peut pas traverser les tentures, mais s'il y a du vent, c'est bon. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Du coup comment je fais mon coup? Du coup comment je fais mon coup? J'ai pas envie de me traîner un baril par un baril. Mais il va falloir que je me traîne un baril par un baril. Est-ce que tu nous as rejoint, Bob? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux du coup choper le navire et te rendre jusqu'à la... l'épave Hop. Je suis peut-être sur l'île. Hop. Ah. Ok. Tu t'attends sur le bateau ou quoi? Non, non, mais au cas où tu seras encore dans le coin, je sais pas, en train de poser des bananes, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, j'ai trois barils, donc je vais les redescendre vers la plage, là où il y a l'épave. Là où il y a le coffre à déterrer. Comme ça, j'ai envie de dire, si tu peux faire un tour de bateau, on a vite réglé le problème. On a plié, et on peut aller faire une petite chasse tranquillou au trône. Pouette, 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 pouette. Mais ce, si bien sûr tu le veux bien. Car si tu ne le veux pas, bah tu le veux pas quoi. Là je suis sur l'île, je me perds donc. Ah. Je vois le bateau, oui. Tout simplement. C'est un passage ça? Ah ouais. C'est un baril ça. Je trouve des passages. Ok, j'ai trouvé un quatrième baril. Faut que j'aille le récupérer, évidemment. Pouet, pouet, pouet. Qu'est-ce que j'aime cette île en fait? Petit baril. Le nombre de poulets dorés, de cochons dorés. Jeu d'enfoiré. Ok. Ah, j'ai trouvé ta plage où il y a tes barils en tout cas. Bah oui, tu m'as croisé même. Tu m'as pas vu? Non. Non, bah sache que je t'aime bien. Tu es inexistant. Là, d'accord. Et bah écoute, je vais pas tarder à poser un baril là où j'ai posé les autres barils. Ouais. Je vais essayer de retourner vers le bateau. Ça va bien. Je crois que je prends pas du tout le même chemin. Je vais chercher le quatrième baril et au passage m'assurer qu'il n'y ait pas de squelette vivant là-haut.
Ah, un squelette est mort, techniquement. J'ai juste dit qu'il n'y ait pas de squelette là-haut. J'ai pas dit vivant ou mort. Mm-hmm. Ah, j'allais dire mince, on peut pas grimper dessus. Genre, vous m'avez mis un baril, mais je peux pas grimper dessus. J'aurais été un petit peu énervé. Ok, donc les 4 barils de poudre, c'est fait, c'est réglé. Récupéré en mode parcours. C'est 600 balles d'assuré. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Là-dedans, il y a des bananes. Hop, calme-moi une banane dans le buffet. Tac, prends la dernière. Ok, je reprends mon message. Il faut que je trouve l'encre. L'ancre de ce navire est ici. À partir de là, 7 pas au nord. Touk touk touk. Hop, s'il vous plaît, le nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, j'ai découvert comment on faisait les pas dans ce jeu. C'est-à-dire ? Tu peux faire très exactement les pas qu'on te demande de faire. Pour ça, il te faut la boussole. En fait, quand t'as la boussole en main, tu regardes ta boussole de près. Et quand tu marches, tu vois bien ton personnage faire un pas, deux pas, 3 pas, et ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est pas beau, le jeu ? Ce jeu est super bien fait, hein. Heureusement que j'ai fait une critique de ce jeu en disant qu'il est vraiment super bien. Je mettais des à-coups, et puis ça faisait l'affaire. Ouais, mais bon, si tu veux le faire en exactement, je viens de découvrir ça à l'instant. Voilà, okay. Tu le sauras. J'espère que je t'ai appris un truc, si je t'ai rien appris... Il sera... Si je t'ai rien appris, sera... c'est cool, ça. Ok. Utiliser la boussole. Oh. Comme Jaja. Et pourtant, essayez de dire que Jaja il sait s'en servir. Je te vois passer en battle, c'est beau. Regarde, je suis dans une grotte avec une lumière bleue. Regarde. Oui, non, mais je. Ah oui, en effet. Non, mais c'est pas grave, on continue. Oui, continue. J'ai tout laissé, tout le matos. Là, je fais un tour, voir si je trouve un autre baril. Un truc, un machin, une bouteille. Une bouteille à sa mère. Incroyable. On va foncer dessus. Je peux ne jamais le rattraper. Ah oh ouais, je le rattrape pas. J'avais raison. Je vais couper par contre. Moi, je peux couper. Tu peux jeter l'encre, hein. Ouais, je sais. Ok. Il y a un squelette là-bas. Il est où ce con? Il est là-haut. Je vais te le cueillir. T'es touché. Ah merde, je vais pas changer ça. Ah oui, bien sûr, c'est là. Il est en bas. Il y en a un qui a sauté en bas. Ah, faudrait peut-être que je le. Je sais pas en fait. Occasionnellement. Occasionnellement. Ok, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. C'est bon, c'est clear. Swag. Hop, ça c'est Swag. Ah, qu'est-ce que j'ai déjà ramassé comme pognon avant que t'arrives, c'est incroyable. C'est fou, t'es trop fort. Non, c'est pas que je suis trop fort, ça fait plaisir, ça va vite.
Il y a peut-être... Bon, après, je m'avance peut-être un peu vite, mais... J'ai l'impression qu'il y a un petit réglage au niveau, des quêtes. Hein. Parce qu'il m'envoie moins des kilomètres. Là, il avait tendance, quand j'avais ce niveau de mission-là, à m'envoyer vite fait à l'autre bout de la map. Très très vite. Là, il m'envoyait vraiment sur les deux îles côte-côte, quoi. Si, j'ai juste passé le Midi Lagoon, quoi, un banc de sable, quoi. C'est les îles bancs de sable. Ouais. Voilà, et... Très bien passé. Et le coffre, tu l'as déjà? Oui, ça y est, il est rangé. Bah, tu vas regarder. Juste à côté des tonneaux de poudre, enfin des tonneaux d'obus. Il est dans un bug de texture, personne ne le trouvera jamais. Personne ne le verra jamais. Tac, 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 je te range du boulet de canon. Tac, je te range de la banane. Je coupe l'éclairage. Parce qu'après tout, ça ne sert à rien, à part se faire opérer par autrui. Et autrui, on l'aime pas, autrui. Ça a jamais été un mec sympa. On voit en est. Non, on voit nulle part. Attends un instant, débrouille-toi, Bob. Mmh. Tu enchaînes? Ok. Dis donc, monsieur, vous faites quoi, hein? Pendant que moi je discute avec quelqu'un de safe, qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Parce qu'il sait que c'est safe. Des bisous à mon frangin. Allô, Bob? Oui. Ah. J'ai tout marqué sur la carte. Bien. West, nord-ouest. If you want, sinon, sinon je fais, hein. Sinon je can do it. Do it, fagot de bois. Do it. Wow. Le plus proche, t'es par là. Hein. Je suis un connard. Ouais. Ouest, nord-ouest, plus par là. Hein. Ben... Vas-y, je contrebraque à fond les manettes. Ça, ton bug de texture, on verra jamais le coffre. Non, c'est pas un bug de texture, mais j'ai pas trouvé le mot pour te l'expliquer. Un glitch, plutôt. C'est pas tout à fait un glitch, disons qu'il est posé dans un endroit atypique, dirais-je. Pourquoi le jeu il est beau aujourd'hui? On me tire dessus, ça va nous toucher. Ah non, okay. Il est pas prêt, je fais des manœuvres de type manœuvre et du coup il est pas prêt psychologiquement. Raté, Bolos! Ah, il faut tirer un peu plus haut là du coup. Ça va être compliqué. C'est quoi là? C'est le bon vent de face? C'est le bon vrai vent de face des familles comme on l'aime? Genre. Est-ce que je peux dire que ma vie c'est de la merde? Bah, qui peut t'en empêcher? Ah mais c'était nord-est, putain, ça, mais je suis con! Oh là là! Ma vie est exécrable, hein. Exécrable. Oui, tu aimes ce mot. Il est beau ce mot. Oui, tout à fait. Du coup, on va pouvoir retourner narguer notre habile squelette.
On va leur passer trop ça quoi. Le mec il tire toujours sur nous. Hein. C'est clair. Il a attendu quand même, il a été aimable. Hein. Il a attendu qu'on se barre pour sortir de terre pour nous tirer dessus quand même. Hein. Ah non, toujours pas. Non. Le squelette trop débile, il arrive pas à anticiper quoi. C'est pas évident. Ah, peut-être celui-là. Non, toujours pas. Ah, c'était pas mal ça quand même. Ouais, le dernier était pas mal. Vas-y, vas-y, je l'attrape avec les dents. Vas-y. Asie, Asie. Oh, hey, bravo! GG! On le félicite. Bravo à toi, le mec, ils sont trop contents. Ouais, bravo! Fort. Tu nous as eu. T'es trop fort, mec! Bravo! GG! pouce bleu! Enfin, blanc, parce que t'en as les blanches. Comme l'os. Au revoir, des bisous, hein! Voilà. C'est bien. C'est là qu'il se met à te répondre, tu sais. Bref. Ouais, plus sur la droite hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai eu des infos sur Skull and Bones là. Ah, sur Skull and Bones? Yes. Ouais. Et ce sera jamais de près ou de loin ressemblant à Sea of Thieves. C'est un jeu de bateau point barre. Gestion équipage comme je te disais et jeu de bateau combat. Ah d'accord. Ah ouais, uniquement vraiment combat naval et rien d'autre quoi. C'est ça. Ah ouais. Dans le lobby où tu pourras marcher, il y aura que ça. Ah enfin, ouais demain, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Ah, il y en a à mon avis qui vont kiffer, mais pour moi, ça sera du coup de la grosse merde. Hein. Enfin. C'est bah, c'est dommage. Parce qu'ils auraient pu. Oui, c'est ça. Surtout que c'est sur la base de Assassin's Creed, un peu de jeu, donc ils auraient pu largement faire ça. Des villages. Puis... Mais ouais. Ouais. Je pense qu'ils ont trop voulu jouer la carte aussi du jeu graphiquement trop stylé. J'ai peur aussi qu'il n'y ait pas assez de capitaine, pas assez de bateau, pas assez de personnalisation de bateau. Apparemment, ils vont mettre plus de bateaux. Bah, ouais. Mais, ouais. Je sais pas. Pour moi, les deux, en fait, il faudrait quasiment un mix des deux hein, pour vraiment avoir un truc bien, je pense. Enfin, par rapport à ce qu'ils ont annoncé, tu sais, ouais, que tu peux recruter des capitaines, etc. Sur l'instant, avec des PNJ un peu et tout, parce que dans Sea of Thieves, c'est un peu pauvre. Vraiment un mix des deux, quitte à baisser la qualité graphique pour que ce soit agréable, accessible à tous, etc. Mais surtout, pousser le côté communautaire. Loi des pirates, code des pirates, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce qui te fait l'essence du truc. Et puis la coop, genre, c'est pas on est tous les deux dans le même équipage. C'est genre on a chacun notre bateau, tu vois. On s'associe. Ça, c'est la coop qui propose. Ah, donc... Puis même le mode de jeu, tu vois, c'est tu maîtrises le bateau et c'est tout, quoi. Oui, donc oui. Tu restes tout le temps à la barre, quoi. Oui, c'est du pilotage, mais de bateau, quoi. Après, Ride 2, Naval 2. On verra bien. Hein. Dis aussi, avale-moi ça. Qu'est-ce qu'on fout ici, déjà? Je sais pas. On est sur quelle île, là, en fait, je sais même plus. Ah ouais, c'est bon, je sais ce qu'on fout ici. On est venu déterrer 3 trésors. Au boulot. 3. En plus, on est de mauvais côté, hein. Bravo. Y'a pas de bon ou de mauvais côté. Rapide. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. De toute façon, vu qu'il vous faudra grimper sur l'arche, tiens d'ailleurs, on voit, il y a le trône de bois tout en haut, regarde. Face à moi. Il y a le trône de bois tout en haut. Okay. Nice. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un... Faudra que je check. Si c'est un trône où il faut s'asseoir solo ou si c'est un trône où on s'assoit à deux dessus. À deux membres d'équipage. En fait, je nous ai mis du bon côté, en vrai. Parce que si tu veux monter tout en haut, il faut aller du côté où il y a le bateau. Et ouais. Du coup, ça fait de moins PGM. Wow. Je suis un connard, je sabote les bateaux, les canons. Oh, il y a un coffre, comment il est posé au bord de la falaise, quoi. Mais chope-le. Chope. Oui, bien sûr. Mais chope. Pourquoi tu l'as pas encore? C'est le mec trop chiant. Cool. Parce que moi, pour l'instant, à part trouver 3 bananes par terre, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai même pas trouvé un petit baril de poudre. Je suis un peu... Je suis un peu choqué déçu né hein. Ouais je crois que je suis sur la bonne tipar. Quoique non pas du tout. Je crois que je suis pas du tout au bon endroit. Ouais carrément.
J'aurais pas dû aller aussi loin, j'aurais dû commencer dans l'ordre. Hein. Bon, il y en a un par là, je vais aller chercher tout de suite. Allons chercher cela tout de suite. Ah! À première vue, j'ai vu une bouteille aussi. Ça te dit toujours plus de quêtes? Ah, c'est à côté de Sneaky. Mais arrête de cracher sur les poulets, Sneaky, reste cool. Putain, t'es vraiment pas cool, Sneaky. Hein. Bon alors. C'est où mon sneak? C'est beau. Bon alors, on dira que c'est là. Ah, visiblement, c'était pas là. Bon. Prenons cela. Prenons cela. Mais ce sera déjà bien. Ok. Alors, comment je me repère? Qu'est-ce que j'ai comme truc? Y a une petite bande de... Eh putain, mais c'est juste en dessous de tes pieds, Sneaky. Sneaky, tu fais chier. Sneaky, tu fais chier. Eh, ça va être là où t'es, hein. Désolé, Sneaky, hein. Il va falloir que je te sorte, hein. À l'ancienne, mon pote, hein. Désolé. Rien de perso. C'était sous tes yep. On dirait que c'était sous tes pieds. Si jamais on me pose la question. Quoi? Il y a déjà un autre qui siffle là. On sait pas. Non mais lol. Ah mais lol, il est censé être là le trésor. Ou juste là quoi. Laquelle la bande de terre au milieu? Est-ce qu'on peut voir un peu en hauteur? On a genre ça, le buisson. Ensuite, là où je suis. Petite bande de terre là. Et c'est entre les deux vraiment ici quoi. Ok, vas-y, vas-y, do it, fagot de bois. Je suis bourré. Je suis bourré. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Bon, je peux recharger. J'étais un peu bourré. Il m'en manque un hein, par contre en ce que je sais pas où il est mais. Ah c'est un peu nul comme attaque d'attaquer Ouais. C'était bien. Putain, il y en reste un ici. Ah, c'est que je me casse. Ah, vous êtes pas assez accueillant à mon goût. Vraiment, vraiment des gens mal aimables. Désagréables. Ah, on prend la fraîche, les pieds dans l'eau. C'est ça. Je cherche des moules. D'accord. Et ça mord un peu? D'accord. Est-ce que je peux mettre ça dessus? Peut-être ça au pied. Ouais. Faut ranger ça bien. Ouais, c'est pas mal. Notre Bob sera à peu près satisfait de la prestation. Oh, génial! Alors ça c'est beautiful, hein. Ah, Maître Bob, il va kiffer le rangement. On va commencer à plus voir dehors, ça va être bien. Je vais mettre des coffres, mais sur tous les rebords, on va plus voir la lumière du jour. Certifié. Ok, le nom de notre île, c'est Marauders Arch. Là-haut, ça avait l'air de ressembler à un trône de en bois. Mais je vais quand même vérifier. Marauders Arch, c'est un trône. C'est un trône de... C'est un trône pour deux personnes.
Donc pour deux équipages. Nous ne pouvons pas le faire. Je suis navré. Du coup, t'as trouvé le dernier chest. Est-ce qu'il y a un baril qu'il faut que je vienne chercher ou un truc ou un machin? Alors d'ailleurs, chest, non, coffre. J'en ai pas vu. Ok, bon, ça marche. Notre prochaine direction, hein, si je suis pas trop nul, c'est sud-est. Ou alors, vu que là on va faire le tour, ça sera quasiment sud. Ok. Ok. Go, on se barre. Ça a l'air de ressembler à une épave là, ce que je vois quasiment devant le bateau là. Là, ce qui est maintenant devant le bateau, est-ce que c'est une épave? Ça m'a l'air, je ressens. Je vois pas de mouette dessus, mais. Ouais, c'est une épave. Ouais. Là, c'est bizarre, parce que c'est rare que je vois d'abord l'épave avant de voir le. Avant de voir les mouettes. D'habitude, je vois les mouettes et après, je vois le. C'est rigolo. Pour une fois, le jeu il a chargé. C'est rigolo. Est-ce que j'aurais du réseau? Incroyable. Yeah, c'est vrai que c'est pas très rollbacké hein, tout ça. Hein. C'est pas fou en rollback. Hein. Un peu déçu. Hein. En même temps, ce jeu-là, quand tu bug, c'est sévère. Hein. Même les vagues et tout, ça bug. Ah, c'est terrible. Hein. Moi qui suis un amoureux du rollback, j'avoue choqué. Est-ce que tu peux jeter l'encre? Ouais, ça va, je l'ai plutôt bien vu. Ça me fait plaisir. Oh, il a des jolies couleurs ce bateau. Ça fait plaisir. Hop là. Ah, un petit coffre. Et hop là. Petit coffre. Toc toc toc. Alors, je sais que t'es pas très à l'aise avec les épaves, donc tu me dis hein, si jamais tu veux que je te ramène les coffres plutôt en hauteur et genre tu les remontes. Toi qui vois. Je ne t'oblige à rien. Sous la main. Est-ce qu'on peut genre abuse et mettre genre. Non, on peut pas abuse. Je me dis là t'abuses quand même. Calme-toi. Il y a un requin qui se dirige vers toi. Ok. Enfin, qui rôde dans le coin. Il est où ce con? Il est où ce con? Ouais. Il est là. Pan. Et pan. Et pan. Et tutu. Allez, salut madame. Ok. Donc replongeons là-dedans. Hop. Prenons. Je fais rien normalement. De la marchandise. Ouais, mais tu sais, j'aime bien la merchandising. Puis je vais jeter un oeil quand même. Je n'ai confiance qu'en moi-même. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Hein. Avoir déjà confiance en soi, c'est déjà beau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, zioter. Que éventuellement le maître Bob aurait raté. J'apprécierais que t'aies raté quelque chose. Parce que là, juste un coffre tout pourrave, c'est un peu tristou quoi. Eh bien, ce sera un peu tristou. Et puis c'est tout. Oui, 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 oui. Ah, événement de type crâne. Enfin, forteresse. Forteresse maudite. Bon bah écoute, ouais. D'abord, Captain. Hop là. J'ai pris un vrai look de larbin là pour une fois. Tiens, c'est bien. Hop là. Enfin, j'ai encore mon chapeau. D'ailleurs, je vais tout de suite enlever ce chapeau. C'est n'importe quoi. Parce que ça fait trop officier. Faux. Enlève le chapeau. Voilà. Et maintenant, si on va sur la tenue générale, voilà. Il dirait plus un. Faudrait même que j'enlève la ceinture. Tu vois, sans la ceinture. Ah ouais, ouais, ça fait le Bosco. Ça fait le Bosco, quoi. C'est stylé. Est-ce qu'on a beaucoup dévié? Non, c'est plein sud.
Allez, c'est parti. Là, je me reprends des munes. Hop. Il fait noir. Il fait noir. C'est marrant parce que moi le son de cloche chez moi est toujours bugué. Hein. Ça a toujours pas changé. Je me demande qui fait ça. Ouais, il est bugué. Le son de la cloche est bugué chez moi. Quand c'est moi qui la sonne, il y a carrément pas de son. Et là, quand c'est toi qui la sonne, j'ai un ding ding 3 jours plus tard quoi. Enfin, en bugué. Je l'ai pas en. C'est pas naturel quoi. Je sais pas dans quel sens je tourne cette barre. Mauvaise pioche, voilà, c'est plus par là. C'est sur cette île là, sauf erreur de ma part. Hop, on est sous le vent. Ouais, formidable. Formidable, capitaine. Qu'est-ce que t'as acquis, capitaine? On va sur la suite, c'est ça? Ouais, sur la deuxième île que j'ai marquée. Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé la bouteille, c'était quoi? Ah, faut ramener un baril de poudre à Galleon's Grave. Donc on va aller vendre à Galleon's Grave, monsieur, si vous êtes d'accord. Et alors, attends que je reprenne. Il faut que je débarque côté plage. Côté plage, c'est à gauche, c'est ça? Ouais. C'est légèrement à gauche, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah bah, excusez-moi. Excusez-moi, maître Bob. Jamais. Le mec ne regarde même plus, il met des coups de pelle au pif. C'est trop ça. Ce qui est pas du tout. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça se trouve que c'était juste là. Hein. Non. Je n'ai pas d'accord. Ouais, si je regardais ma carte. Tu serais pas mal, hein. Tu serais pas mal, sauf que c'est peut-être plus par là. Voilà, c'est ça. C'est plus par là. Au secours, maître Bob, je me fais attaquer. Je vous ai tiré une balle dans la bouche. Heureusement, capitaine, après avoir vu que vous avez une indemnité, enfin, vous avez les dents plombées, ça a ricoché sur vos dents. Vous n'avez rien senti, capitaine, bravo. Bravo, monsieur le capitaine. C'est pour ça qu'on vous appelle monsieur dans le milieu, non? J'aime beaucoup ta façon de creuser, ce que je t'avais déjà dit. J'ai pas fait plein de bananes, tout ça, là. Voilà. Le canon. Des planches? Non, pas de planches, ok. Ok. Oui, oui, oui. C'est bien rangé, capitaine, non? Que vous appréciez. Il est en train de fermer toutes les fenêtres. Mais non, c'est pas vrai. Je les ai juste mis, regarde, tous autour de la table bien proprement. Le plus possible. J'ai pas marqué Galleon's Grave, Captain. Je ne sais pas où on va. Galleon's Grave. Allons-y. Hop, bah, plein sud. Toujours tout droit, il y a un... Voilà. C'est vraiment toujours tout droit. Hein. Mais alors genre vraiment quoi, il n'y a même pas besoin de tourner un churl de larme de rien du tout. Hein. Alors je sais pas si la barre est bien droite, mais genre voilà, ça bouge pas quoi. C'est l'île droit devant genre? Bah genre ouais c'est ça, hein. Si on regarde la map c'est exactement ça quoi. Genre c'est tout droit quoi. Youpi, youpi. Ça paraît plus loin sur la map. Et puis bah après ça on va pouvoir... Bon je mettrai fin à la vidéo, hein. Je suis désolé vous avez regardé encore une vidéo juste pour des coffres. Tout ça pour des coffres. Alors enfin, en même temps, quel nombre de coffres incroyables, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coffres. 7, 8 coffres, pas un crâne, pas un cochon, pas un poulet. Ah oui, et moult barils. Ah, et moult barils encore. Oui, il y en a moins. Bien sûr. Allez. Les barils de chez Barilla. Barilla, les bons barils d'Italie. Si,
Vous avez vu, ils sont rouges comme la tomate, si. Donc 4 barils de poudre. On est pas mal. Et j'ai dit combien de coffres, j'ai déjà oublié moi. 6, 8, d'accord. Peut-être. Il y a un peu de pognon. Pas de coffre de capitaine à bord, c'est un peu dommage. Mais on tirera nos 1000 boules sans aucun problème, voire nos 1200 boules si le jeu est assez généreux. Ah oui, on a une quête du baril de poudre, donc on peut avoir un baril de poudre à 2 millions de dollars, bien sûr, évidemment. Par contre, monsieur capitaine, étant donné que vous avez beaucoup de très bonnes cartes graphiques, disons que vous avez de bons yeux, capitaine. Est-ce que vous qui voyez les polygones de plus loin, vous pouvez me dire de quel côté je peux... dois-je m'amarrer? Ou dois-je me marrer? À droite devant, je crois, là. Légèrement à droite. Je crois, pas sûr. Je vois un quai juste devant moi, là. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est pour ça, légèrement à droite. Ouais, mais il n'y a pas de marchand de ce côté-là, là, non c'est... Bon, léger à droite, en droite. Peut-être bon, de l'autre côté, le marchand. Le tour, hein. Maintenant c'est trop tard. Too late. Ouais, faudrait même remonter la voile. Jette la. Remonter la voile. Non, mais jette plus vite, plus vite. Non, fallait jeter l'ancre là. Quand c'est trop tard, faut jeter l'ancre. Ce n'est jamais trop tard. It's never too late. Bon, je contrebraque à droite pour tout à l'heure. Hein. On dit qu'on fait ça. Merci pour le coup de main réparation, tout ça, tout ça. Ouais. C'est un homme charmant. Parfait. Vu comment est foutu lui, je suis pas sûr qu'on soit si loin que ça en fait. Oui non, ça va être côte à côte. Hein. J'ai vu le banc. C'est toi qui viens de sauter à l'eau? Ouais. Je me méfie toujours de trouver des gens. C'est rigolo que vous ne croisiez jamais personne. Je viens de me péter une gable, c'était formidable. Hop. Et c'est vrai que là, depuis un certain temps, on croise quasiment jamais personne. Ça va vous finir par vous donner raison. 440 thunes. Ça, c'est un coffre bien payé, monsieur. Ça fait plaisir. Oubla. Heureusement qu'il y avait un gros trou. Oh là 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 là. Est-ce que je vais arracher mon level 25 avec cette quête-là? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ah, il y a des mecs qui ont laissé. Ah, il y a encore des mecs qui ont laissé des cages et tout. Je te jure, il y a vraiment des mecs qui ont laissé des cages et tout, à nouveau. Again. Deux fois de suite, ça me paraît bizarre quand même. Bah non, mais ça, c'est les gens qui farment, hein. Parce qu'ils ont dû voir quelqu'un qui leur a dit: ouais, alors pour farmer vos quêtes, pour gagner des levels rapides. Voilà, je prends une cage de poulet. Mais c'est sympa quelque part ce qu'ils font, parce qu'ils farment certes, mais du coup, ils laissent les cages pour. Pour des knarfang, pour des gens un peu crevards comme moi, quelque part. Donc en fait, juste pour moi. Est-ce que je suis moi, ce que je trouve étonnant, c'est que le jeu laisse ces items-là sur place. Les décharger, ouais. C'est assez étonnant. Mais oui, je sais que le jeu est comme ça, puisque déjà à l'époque, quand j'avais plus de problèmes avec les pirates locaux, quand tu te faisais couler, les cages restaient même dans l'eau à côté du... juste à côté du... De là où tu les avais posés, quoi. D'accord. Mais vraiment. Genre, si ton bateau... T'avais déjà chargé ça sur ton bateau, et que t'étais genre à quai, si ton bateau avait coulé à cet endroit-là, bah, elles étaient dans l'eau à cet endroit-là. Même pas, elles étaient revenues chez le marchand ou elles étaient déchargées. Donc t'avais un peu le seum quand tu repopais à l'autre bout de la map. Et que tu te dis, et que tu te dis, putain, j'aurais bien repris des cages auprès d'un autre marchand si elles avaient des pop. Oui, j'avoue. Et au fait, t'as oublié des coffres à bord, capitaine. Et t'aurais pu prendre des cages de serpent, non? Non, tu veux pas prendre de serpent? Tu veux pas qu'on aille chercher des serpents, monsieur? Bon, tant qu'à faire le tour des trônes, à mon avis, on va croiser quelques serpents.
Et serpents et poulets en plus, c'est quand même cool. Y a pas besoin de les nourrir. Oui, ça, tu marques un point. Bah oui. Cage de cochon, je t'aurais peut-être pas fait l'affront de t'en retaper 9. Les 9 cochons de l'anneau. Ouais, c'est le titre de la vidéo qui est sortie entre deux, enfin là qui est pas encore sortie, mais qui du coup va sortir entre deux, avant celle-ci. Waouh, bon, par contre ça c'est... Celle que t'as mis ce matin ? Non, pas celle que... oui, ah si, je l'ai peut-être mis ce matin, oui, elle est déjà peut-être déjà sortie, ouais. Par contre moi je plonge sans prendre aucun coffre. Oui, bon, c'est culturel. Je vais où ? Je vais te laisser vendre des coffres. C'est ta passion. Je sais qu'avant t'étais vendeur de coffres. D'accord. Pas de planche. Incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que ce marchand là-haut ? C'est celui qui vend des fringues. Oh, ok. T'as un tonneau avec des planches ? Si gros. J'ai pas fait le tour pour rien, ça fait plaisir. 173, ouais, bon, on aura fait un bon 1500 balles hein, dans cette histoire. Hein. C'est bien ça. C'est pas trop mal. Même si ça va être ridicule pour la moitié de niveau qu'on a déjà, quoi. Ah, il s'est gardé le meilleur pour la fin. Il en reste quelques-uns, quoi. Et il en reste encore ? Si je ne me trompe pas. Bon, je vais venir t'aider à vendre. Ah, promotion tenue, collectionneur d'or à coquilles. Merci monsieur, tu m'as aidé. Je t'en serai toujours reconnaissant. Tu veux pas me prendre ce coffre? Merci. Tu es bien aimable. Oui, il en reste en effet encore quelques-uns, je crois que j'en ai vu encore 3 au moins. Au moins 3 à vendre encore. Petite pile de pognon. Petite pile de pognon. Alors, bonjour monsieur. 400 balles. Ah oui, on aura fait plus de 1500. Hein. Oui, largement plus. C'est pas trop. Ouais. Parce qu'en gros, on a... Ouais, c'est ça, oui. On a fait 2000, hein, je crois. Pas loin. Hein. Même plus maintenant. Alors, je ne sais même plus à combien j'étais, je crois que j'étais à 48. J'étais peut-être à 48 000. J'étais peut-être à 48 000. Hop. Moi j'étais à 1000 et quelques et je suis déjà bientôt à 3000 quoi. Donc, D'accord, donc ça on a quasiment fait 2000 balles là. Donc le temps qu'on vende tout ça, on aura fait nos 2000 balles. Cool. Tout ça pour une petite quête. Cool. Cool. Oui. On aura fait 2005 en plus. C'est pas mal. Bon, par contre, j'ai pas mon galon. Ça, c'est un peu triste. Bon. Bah, on dit au revoir aux gens et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une vidéo sûrement plus intéressante. Allez, des bisous, au revoir. Salut.